Une fois encore, une grosse salutation pour nous toutes ces amis au Western des Amours, Basla Production et Basla Production Academy. Je dis à mon content avec nous encore pour une autre vidéo côté que nous gagnons un ami qui t'est écrit dans commentaire, demandé pour me faire une vidéo parce que lui intéressé pour la prendre manche basse là. Donc et puis ça un thème qui est attention parce que plus que n'a pas pour jouer instrument, je pense que c'est important vraiment pour nous comprendre manche basse là. Pour le démontrer et expliquer toute manche basse là. Donc là il parle de manche basse là, m'espère que c'est ça la parler. Donc OK. Il est très important pour comprendre ça vraiment parce que si vous pas comprendre manche basse là, ou gain doit pas comprendre tout ça ou jouer. Donc parce que dans manche basse là, c'est là nous gain toute note que nous gain pour nous jouer. Donc pense que pour bien jouer ou bien comprendre note, il faut bien comprendre et manche là d'abord. Pour raison ça, pour expliquer pas seulement manche basse, m'gagne plusieurs autres basses que m'pour montrer dans vidéo et m'a expliquer pour qui ça manche yo différent quelque là. OK, donc m'passer son vidéo qui très important, donc son vidéo qui pour très éducatif dans une façon que pour tout étudiant bien comprendre basse qui n'a main yo. Si vous avez écouté la musique que je produis déjà, ou bien doit écouter sur Spotify, sur iTunes ou bien sur YouTube, sur toute plateforme. Si vous avez un CD, album que je produis, ou bien doit contacter directement dans baslaproduction.academy@gmail.com, n'importe côté où y est, m'a envoyé CD ça pour. Si vous avez acheté un livre tout que écrit, livre ça c'est sur Amazon que vous avez joué, ou bien doit acheter directement sur Amazon ou bien contacter dans email là m'a voué une copie pour côté hier. OK, qui te m'explique rapidement une gamme chromatique parce que depuis ou pas prendre jouer musique n'importe instrument que ou pas prendre jouer premier bagaille qu'on besoin comprendre avant même que ou le faire écouter ou etc. chercher comprendre gamme chromatique. OK, gamme qui en l'air là c'est l'ignorer les gammes chromatiques là premier ça. Qu'est-ce que chromatique là, gamme chromatique là, et lui-même c'est là que ou contrôler note l'un après l'autre. Ou dit do dièse. Ou point ré, ou point ré dièse, ou point mi, fa, fa dièse, sol, sol dièse, la, la dièse, si, do. Quand y a là qui te montre nous ça m'a dit bien avec yon piano, ou un piano a premier note ça c'est do. Donc quand y a la note noire qui vient après c'est lui qui est le do dièse là. OK, et puis ça c'est ré, et puis ça vient noire qui vient après c'est ré dièse mi fa. Là on garde entre mi avec fa, donc mi et puis fa, ou est pas gagner ken note noire qui existait entre eux, pas vrai? Alors que entre do avec ré, ou gen yon note noire qui existait entre deux notes sa yo. C'est ça qui gen nan chromatique là. Donc ou pa di do, ré, mi, fa, tant kou gam normal là, ou di do, do dièse, ré, ré dièse, mi, fa, fa dièse, sol, sol dièse, la, la dièse, si, do. Ou gen doit wè entre mi avec fa, pa gen ken noir qui existe entre yo, c'est parce que de note sa yo, yo même, yo directement de mi ton. Même jan avec si, do, pa gen ken noir qui existe entre yo, c'est parce que de note sa yo, yo même, yo de mi ton. Tout note yo qui un ton, yo même, yo gen yon noir qui separe yo. Do avec ré c'est un ton, pour qui raison c'est parce que yo gen yon note noire qui sépare yo, qui veut dire do, do dièse, qu'on y a ça c'est un demi ton, lorsque tu dans do dièse pour aller dans ré qui c'est un autre demi ton encore, et bien là on mettait tout deux ensemble il ba ou un ton. Donc qu'on y a la lèvre ou vini dans gamme ça, ouais c'est même ça me se dire sous basse là m'a pour expliquer nous
li pou nou comprendre bien. Chaque fois ou gagne yon note nan bas la, li gagne ou bien chaque fois ou yon casier nan bas la, li gagne yon note ki marche avec li. Donc et plus que nan bas la, casier vini l'un après l'autre, ou doué pi bien konnen gam chromatik la ke ou konnen gam normal la. Par exemple, en bas la c'est yon gam normal ke mete do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ou mette do et mi avec fa tout collé, c'est parce que yo même yo tout demi-ton, j'aim te montrer nan piano a, si avec do demi-ton encore. Mais chaque côté ou mette distance, ça veut dire au milieu là gagne un dièse. J'en note wel nan piano a. Donc, le ou je basse, guitare, tout instrument akodyo, ça ko besoin bien comprendre pour jouer instrument ça ou puis bien c'est gamme chromatique ça parce que chaque casier que ou gagnez nan instrument ça yo yo représenté par yon nan note ça yo. Par exemple, si me touche do nan basse là, note casier qui vini après casier ça prele do dièse. Li pa prele ré, c'est do dièse la prele. Donc si me touche do dièse nan basse là qui se note ça ou bien casier qui vini après li après le ré. L'autre casier qui vini après ré après le ré dièse. L'autre casier qui vini après ré dièse après le mi et ainsi de suite. Donc ça veut dire depuis ou konnen non yon code nan bas la ou ta suppose konnen tout non casier l'un après l'autre à cause de gamme chromatique ça que ou konnen bien. Quand il y a nous aller dans basse là m'a pas l'expliquer nous ça. Si vous t'arrêtez mais encourager travail ça qu'a fait là tant qu'on capable son bel travail lié donc pas oublier pour encourager m'écrire un livre qui relé I follow you follow lui même c'est un livre que vous joindre sur Amazon et ou bien ou gain doit écrire directement dans basselaproduction.academy@gmail.com. Ou ka, si vous intéressé, m'a voye un copy pour vous directement la kayou côté ou hier, ok? Donc, m'pense que travail que m'a fait a li besoin encouragement et pas gen l'autre communauté ka pral encourager nan travail que m'a fait. C'est nous même que m'conte sou li. Donc, tant pour s'il vous plaît, encourager ça. Donc, achetez livre là et ou bien nous gen doit acheter CD tout, donc un produit album tout. Donc gagne deux CD là. Donc songez bien que livre ça lui-même li gagne un CD là dans tout. Donc si vous achetez le sur Amazon ou pas joindre CD en dedans parce que Amazon yo pas te print livre là avec CD. Donc si vous achetez le sur Amazon ou mettez crime directement m'a voye audio yo pour ou par email. Donc merci ou fait commande là directement dans même et là ou joindre avec un CD là-dedans, OK? OK, quand il y a là nous vini dans basse là puisque nous comprendre ça tableau chromatique là ou bien gamme chromatique là quand il y a là qui te montre nous et dans basse là qui gens nous capable comprendre manche basse là puis bien. Gagne basse qui gagne plusieurs casiers. Par exemple, basse ça m'a montré nous là, il gagne 24 casiers là-dedans. Donc ou gen doit ça c'est premier casier et puis ou gen côté là qui gagne un double point, OK? Double point veut dire ou rive dans 12e casier. Si ou basse là gagne un l'autre double point en bas encore tant qu'ou pour là, ça veut dire son l'autre 12 points encore, ça veut dire 12 casiers encore, 12e casier qui veut dire basse là gagne en tout 24 casiers là-dedans. Parce que chaque fois ou un double point ou met konnen c'est 12 sou ou deux double points ou met konnen bas ou gagne 24 casiers, OK? C'est pas tout bas qui gagne 24 casiers. Par exemple jazz basio ça nous relé bas Fender yo même yo pas gagne 24 casiers, yo gagne mon quoi 19 ou bien 21 casiers comme ça, OK? Donc mais quand il y a là ici là c'est premier casier, deuxième casier, troisième casier. À partir de troisième casier, vous pouvez mettre ça qui relé premier point. Si vous regardez vidéo leçon yo, ou connait et me parler de première position, deuxième position, troisième position, etc. Donc, c'est en fonction de point ça. Là, vous apprendre
manche basse la gen yon lot karakteristik nan a fè point yo. Chak kote wè yon mette point yo, ou gen dwa pose tèt ou kesyon pou ki sa yon mette point yon a pwè to a kazye. Se paske, jan nou sa twel nan kromatik la, toazyem e kazye a, soti nan premye kazye a pou rive nan toazyem kazye a, se, sa vle di ou gen un ton. Se un ton ki permèt ki yo mette la. Se pou kontrole ton yo. Donk, chak fwa ou pwen, par exemple, si ou pwen not sa nan katriyem kod la, ki se fa, ok? Si ou pwen fa, ok, an nou eske l ban nou yon ton, e, ou pwen fa, donk apre fa vini fa diez, avle di premier kazi a te fa, dezyem kazi a te fa diez, ou bien nou di premier kazi a li menm, si nou di l fa, la ou vini nan fa diez, sa se yon demi ton liye. Donk kon ya la, la ou rive nan sol, se le sa ou gen un ton. Ok? Donk, si ou pran kon sa, wap wè fa, pou rive nan fa diez, ba ou demi ton, soti nan demi ton fa diez la pou rive nan lòt demi ton anko ki se sol, donk an total la ou gen fa avèk sol ou gen un ton. Donk yo mete yon pwen pou montre ke a pati de not sa pou rive nan not sa se un ton ou gen la. Se wol e pwen sa nan le wap pale de manch bas la. Donk Se menm jan tou, si ou soti nan premye pwen, ki se premye pozisyon, ou pou ale nan dezyem pwen, ki se dezyem pozisyon, ou ta va di wap pwen e sol, par exemple, kote nou te ya, sa se sol, toazyem e kazye, katryem kod, do kon ya la sol diez, e pi la. Ok, wè, donk sa ve di ou soti nan sol, toazyem kazye, kote premier point a ya, ou passe nan sol diez, eh bien, soti nan sol pou rive nan sol diez, se demi ton, kon ya la soti nan sol diez pou ale nan la, ki se yon lot demi ton anko, y vin ba ou un ton. Donk yo oblige mete yon lot point la anko pou identifye ke sa se un ton. Ok? Donk, se yon fason pou ke le ou kembe bas la nan men wap jwe, li fasil pou konen Si not wap jwe a se un ton liye, eh bien ou gen dwa servi avèk pwen yo selman pou mete not sa. An nou gade pi devan pou nou wè. E ou gen dwa wè, isit la yo mete, par exemple, rive jis nan katriyem pozisyon ou yo mete pwen yo chak apre 3 kazye. Ok? Par exemple, la se la, nou gen si, ok, nou gen do diez. Ok, a pati de do diez, kote katriyem pwen ya, ou wè yo mette pwen yo kon ya, ou ta va di yo mette pwen yo apwe kat kazye. Gade bien pou yo, di 1, 2, 3, double pwen touvel nan jis nan katriyem kazye, ou te gen dwa di, ah, sa son erre. Non, se pa erre ke liye, se paske yo pa bezwen mette yon lot pwen la kon ya. Donk ou ta va di do diez, re diez. Ok, pi la ta suppose gon point. Si yo tap mette chak point yo apre 3 kazye. Men rezon ki fè yo pa bezwen mette l, se paske premye pati bas la fini la nan 11e kazye. Avè di bas la, si ou gen sa selman, ou ka jwe tout not ki gen. Donk se rezon sa ki fè ou pa oblije mete yon point la, ankon nan 11e kazye. Kote ou wè ou vin mete doub point, se rekomanse ou rekomanse ankon a 0. A pati de doub point la, se menm jan nou te komanse an wò la, se menm sa nou tap di an wò yo, a pati de la yo komanse ankon. Se tankou mte kapab eksplike, se ke kote ou wè ou mete doub point, se tankou se tèt bas la la, kote wè limit sa e an wè, se la, se menm bagay ki gen ki egziste avèk doub pwen. Paske si m fè yon not avid nan bas la, ok, donk si m jwè yon not avid, li not katryem kod la rele mi, si m jwè avid san ke m pa peze ken kazye, li rele mi. Se sa ki fè tou,
si me jouer 12e casier à côté double point yo ya li rele mi ouais ça me dit là donc ça veut dire si vous voulez comprendre ça veut dire fin basse là c'est dans 11e casier li fini là et puis il recommence encore même genre avec en haut là dans 12e casier par exemple si n'a prend même ça me sort dit ou prend yo même genre là encore pour faire explication paraître même genre ça veut dire à partir de mi nous vinn prend fa à trouver là dans 13e casier même genre noté ou fa dans premier casier fa à retrouver dans 13e casier là et puis on va prendre fa dièse et puis au point sol cap pour le trouver dans premier point encore. Ouais, donc à chaque fois que première partie a fini, point retourne même genre encore. Premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point. Il retourne encore 24e casier avec depuis dans 23e casier, bas cela fini encore. Donc il aurait commencé encore à partir des double points etc. Donc m'espérer que ça clair pour nous qu'on y a là les ou fin comprendre aspect ça bien. Il y a l'autre aspect que on pas besoin comprendre qu'on y a c'est non codio. Et non codio c'est ça qui est important pour comprendre les n'a parlé des gammes chromatiques là. Qui j'en yon bassiste ou bien yon guitariste ka konnen note ki nan manche basse la à l'aise pour que les lap joue li ou gen doit wè li font mouvement sorti depuis en haut à la pap et puis li gen t'arrive en bas pap 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 ou lap joue un paquet note sans que li pa même garde et partition ou bien pa konnen ça qui gen devant là mais li gen li joue toute note yo exact c'est parce que li konnen l'élite tel côté par rapport à telle position ou bien par rapport à tel point note ça relé et casier ça relé et telle note si li dans tel code li besoin aller dans telle note dans tel autre code li garder justement casier ou bien position point yo li connaît OK depuis le mettre main là la bay telle note vous comprenez donc ça permet que li vienne puis à l'aise pour bassiste là les la jouer pour que li gagne et possibilité rapide pour li faire une note que li besoin dans n'importe qui côté dans basse là sur n'importe qui cordio et puis li joigne exactement note qu'il besoin chromatiquement ça veut dire dès pour connait non cordio ou déjà connait non tout casier qui existait dans basse là mais avant tout faut connait ça qui relait gamme chromatique là ou bien faut comprendre basse et gamme chromatique là. Qui ça me veut dire? Premier code dans basse là qui c'est petit code en bas, lui même li relé sol. OK? Deuxième code là relé ré. Troisième code là relé la, quatrième code là relé mi. Donc ça veut dire et sans que ou pas peser, c'est non code yo ça. Qu'on y a chromatiquement, ou gen doit connaître tout non et codio ou bien casio par rapport à non code la poté si premier code la rele sol et bien si me pèse premier casier qui note chromatique qui vini après sol c'est sol dièse et bien depuis me pèse premier casier c'est immédiatement et sol dièse que me pèse là donc qui note et chromatique qui vini après sol dièse et bien c'est là et bien depuis me mette même dans deuxième casier c'est là qui note chromatique qui vient après la la dièse eh bien casier ça pourrait le la dièse OK qui note chromatique qui vient après la dièse si eh bien casier ça pourrait le si qui note chromatique qui vient après si c'est do eh bien casier ça la pote non do OK vous comprenez donc on y a là m'aller dans deuxième code là me fait même bagaille là tout et ainsi de suite pour jusqu'à me river en bas m'aller dans deuxième code là me dit deuxième code là lui même li relé ré et bien si me pèse premier casier qui note chromatique qui vient après ré c'est ré dièse et bien casier ça c'est ré dièse lié pour deuxième code là après ré dièse qui note qui vient c'est mi et bien si me pèse casier ça sur deuxième code là c'est mi après mi qui note qui vient c'est fa et bien si me pèse troisième casier dans deuxième code là c'est fa la pied et ainsi de suite m'a
contrôler chaque casier avec gamme chromatique là en tête et puis me joindre tout non code yo. On fait le même genre tout pour code là, si code là il est là depuis me pèse premier casier, eh bien li tout la dièse. Donc si me sorti dans la dièse, qui note chromatique qui finit après la dièse. Hein? C'est si. Donc depuis me pèse deuxième casier dans troisième code là, c'est si. Donc qui note chromatique qui vient après si, c'est do. Eh bien si me pèse troisième casier, c'est do. Ainsi de suite pour jusqu'à ce que me rive juste dans 24e casier. C'est même genre pour quatrième code là qui relé mi. Si me pèse premier casier, donc qui note chromatique qui vient après mi, c'est fa. Eh bien depuis me pèse premier casier, c'est fa la pierre. Qui note chromatique qui vient après fa, c'est fa dièse. Eh bien, depuis me pèse deuxième casier dans quatrième note là, c'est fa. Ainsi de suite pour jusqu'à ce qu'on arrive dans 24e casier. Donc, m'espérer que nous comprenons technique ça yo qui peut permettre que nous comprenons manche basse là bien. Si vous cherchez un côté pour mixer musique, nous même dans Bassla Production nous bail service ça yo, nous fait mixage, nous fait mastering, nous fait composition, ou gain doit voyer musique là pour nous dans basslaproduction.academy@gmail.com, n'a fait un bel mixage là dans pour gain en musique qui sonne très bien. Ou gain doit c'est un monde qui fait podcast, ou gain doit voyer podcast yo pour nous tout, nous gain doit faire production pour côté n'a fait mixage là-dedans pour que les ou parler mon tande ou sonne très bien. Artiste qui besoin arrangement, composition ou gen doit contacter nous tout dans même email là, n'a fait tout service ça pour. Même si c'est sous téléphone ou composer musique là, voyez audio ça ban nous et puis ou saisi ouais nous créer une belle musique avec lui pour. OK, quittez-moi rapidement qu'on y a là montrer nous une autre caractéristique de basse. Qui c'est un basse fretless, ça veut dire fretless qui veut dire sans casier. Son basse qui tant comme des gars du violon ou bien contrebasse qui pas gain casier là-dedans. Donc basse ça et lui-même il pas joué yon l'autre occasion m'gain pour faire une vidéo pour m'expliquer fretless parce que fretless il pas joué et c'est même code. Et bien entendu, ça c'est un basse 5 cordes, mais c'est même cordes. C'est même sol, ré, la, mi, et puis et 5e corde là. Si vous avez un basse fretless dans la main, ou pas jamais un casier là-dedans. Donc c'est ça qui fait m'expliquer ça dans la vidéo. Il faut que nous connaissions tout, un basse qui existait, qui n'a pas gagné un casier. Il y aurait le fretless, ou bien sans casier. Si vous avez une possibilité, c'est un basse 5 cordes qui dans la main. Et c'est même processus qui est capable de passer pour comprendre. Donc, si 5e code qui n'a pas basse 5 code, il est le si. Ok? Donc, code là, sans peser, il est si. Ça veut dire, si je pèse le premier casier dans basse 5 code moyen, donc ça veut dire, il est exactement do. Ouais? Premier casier dans 5e code là, il est le do. Donc deuxième casier chromatiquement vient rapidement do dièse et puis troisième casier chromatiquement vient ré etc. Si on continue à descendre dans toute l'autre basse casier. OK, quand il y a là qui te présente nous une basse acoustique. Une basse acoustique c'est une basse qui tant que guitare acoustique nous connaissons déjà qui ou pas besoin amplificateur pour t'avoir jouer donc lui même il déjà tout amplifié. Donc basse ça son basse électroacoustique ça veut dire moi-même qui dois jouer amplifié ou bien sans amplifié. OK, donc mais c'est même processus c'est même cordio sol ré la mi et puis même type de cas qu'on y a là qui te montre nous un autre type de basse. Ça c'est un autre basse que yo te fait pour moi même spécialement encore lui même c'est un basse ténor. Et ça veut dire un basse ténor. Peut-être nous ces étudiants nous gain doit pour comprendre aspect ça pour qui ça un basse pour qui ça un basse ténor. Un basse ténor c'est un basse qui joue plus haut que un basse, OK? Donc code yo yo pas même avec code qui dans un basse, OK? Par exemple si m'ba ou basse ça ou t'va jouer do là-dedans. Et puis, on met les mains sur le troisième code, dans le troisième casier, ce n'est pas do la pied. Ok?
là ça c'est fa qui va pouvoir jouer là parce que code yo pas même code. Donc c'est une basse m'utiliser les m'a jouer solo. Donc si tout si vous regardez les m'a jouer hymne national là, les m'a jouer musique tant Amazing Grace dans forme tapping by solo yo, c'est ténor m'utiliser en pile. Pour qui raison m'utiliser, c'est parce que lui-même il gagne un son qui pi aigu. Et puis notre ça il paraît plus clair, là on fait by tapping by comme ça pour jeune son qui plus clair tout autant code yo plus petit, donc son paraît plus clair tant qu'on guitare m'était capable dire. OK, donc ça veut dire dans basse ténor lui-même et code yo pas même genre, mais c'est même forme de casier qui existait là. Donc en réalité, basse non ça, son basse qui a 26 casiers là-dedans. Donc lui-même, il dépasse 24, la législation 26. Mais puisque me dit non ça déjà, c'est un basse qui a été construit pour moi spécialement, c'est moi qui t'ai demandé le concert. Parce que les maps jouent tapping, j'ai toujours besoin plus casiers pour me capable faire plus notes aiguës. Demande un basse avec 26 casiers. M'espérer que leçon ça capable aider nous comprendre basse qui dans main, parce que tout autant que vous comprenez instrument qui dans main on plus bien, c'est tout autant que vous jouez plus bien. C'était zami Wester des amis dans basse la production de Bassa Production Academy. M'était content avec nous dans vidéo ça, m'a espérer nous pour une autre vidéo. Toujours écrit dans commentaire ou bien écrit par email, mandez-moi ça nous ta même m'expliquer nous. Depuis mon temps, je suis bien content de faire ça pour nous. C'était un plaisir.